y a de cela un peu moins de 4 mois, le 12 novembre dernier, j'avais présidé la cérémonie d'installation du directeur du Centre régional des œuvres universitaires et sociales de Ziguinchor. Mon séjour à Bambé est justifié à titre principal par l'installation du directeur du Centre régional des œuvres universitaires et sociales de Bambé dans ses fonctions. C'est aussi pour moi l'occasion de marquer de façon symbolique et, pour utiliser le terme usité, en la circonstance est consacrée par la loi numéro 2016-08 du 2 mars 2016 portant création des centres régionaux des œuvres universitaires sociales CROUS de Ziguinchor, Bambé et Thiès, l'autonomisation du CROUS. Je le fais en ce moment de l'année car il me semble que les conditions sont réunies pour le transfert des activités initialement exercées par le CROUD au CROUS. Cette cérémonie permet d'exprimer au Centre des œuvres universitaires de Dakar, le CROUD, toute ma reconnaissance et mes remerciements pour tout le travail réalisé durant et à l'occasion de ce portage dont nous n'ignorons pas les conditions dans lesquelles il a été réalisé. Monsieur le représentant du CROUD, vous voudrez transmettre tous mes remerciements et ma gratitude à tous les prédécesseurs du directeur du CROUD actuel, M. Cheikh Oumar Al, pour s'être acquitté avec brio de cette noble mission et auquel M. Cheikh Oumar Al avait succédé avec le même bonheur, en ajoutant à votre parcours le grand mérite d'accompagner les premiers pas des centres régionaux des œuvres universitaires en acceptant la solution consensuelle relative à la dévolution du patrimoine du CROUD et en offrant l'expertise et le savoir-faire du CROUD au CROUS pour le démarrage des activités. J'ai tenu les mêmes propos à Ziguinchor. Je tiens à les répéter pour qu'ils soient entendus et je les tiendrai le 13 avril prochain, si Dieu le veut, à Thiès, pour installer le dernier CROUS, celui de Thiès. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, honorables invités, chères étudiantes, chers étudiants, les conditions sont à présent réunies. Le travail peut commencer officiellement. Je sais que sur certains aspects et pour certaines prestations, le CROUS a pris les choses en main. J'ai un compte rendu régulier des activités menées. C'est le lieu de remercier Monsieur le recteur de l'Université Aline Diop, le professeur Lamine Gueye, pour son engagement. Pour son engagement à côté du CROUS, pour la prise en charge des questions sociales qui sont déterminantes dans la conduite des activités académiques. Je voudrais le remercier encore pour l'ouverture de l'Université Aline Diop sur son milieu. Car vous le savez, la loi cadre votée en 2015 par l'Assemblée nationale consacre 3 nouvelles missions aux universités. C'est l'accompagnement des étudiants pour leur insertion dans le milieu socio-professionnel, c'est la mission d'innovation et c'est surtout la mission de service à la communauté. Et je voudrais souligner le rapport produit par les enseignants-chercheurs de l'Université Aline Diop pour évaluer l'impact économique du MAGAL et d'une portée scientifique internationale. Je tiens aussi à remercier M. le préfet, l'administration territoriale. Elle nous appuie partout pour nous permettre, en compagnie des collectivités locales, de disposer des terrains pour édifier les infrastructures de l'enseignement supérieur. Elle nous accompagne pour l'organisation, pour le travail. Vous menez un travail
discret, mais extrêmement important. Et je voudrais encore vous remercier et de transmettre à toute l'administration territoriale, du gouverneur, au préfet, au sous-préfet, aux différents directeurs au niveau régional, nos remerciements pour ce travail. Je remercie aussi les forces de défense et de sécurité. Elles sont extrêmement importantes, surtout en ces périodes difficiles. Je remercie toutes les populations pour l'accueil réservé à l'université et à ses activités. Je tiens à insister sur le rôle déterminant des gouverneurs de région et des préfets dans le succès des réformes. Les autorités administratives et locales qui ont l'université à l'UNDJOP dans leur domaine de compétences territoriales l'ont bien compris, il convient de leur savoir gré. Je tiens également à magnifier la présence de M. le premier vice-président de l'Assemblée nationale et président du Parlement de la CEDEAO, l'honorable député Moustapha Cissé Lo. Xelal nga ñu, waxtaan nga ak ñun, jox nga ñu idée, té wax nga légui dama doon xol sama téléphone ndax defuma ko ci. Ndax bare na fu may waxtane ak étudiants yi. Dama leen di sumay jéxal dama leen di jox teunk ci wax bo xamné président bu mat moko waxone muy John Fitzgerald Kennedy mi ngi ko waxé won ci université Rice ci 1962 bi nga xamné Amérique doon jonganté ak URSS kan moy jëk dem ci djéwo ji kan moy jëk yobbu nit ci djéwo ji té Amérique URSS raw ko ci ndax URSS yobbu na Sputnik mu wër as réew mu wër souf ci yobuna Yuri Gagarin mu nek nit ku jekk genn ci souf ci dem ci asaman ci weur asaman ci won souf ci Amérique John Fitzgerald Kennedy dem université Rice ngeen xamni université dafa am solo trop mu taxawal fu kaddu bu mat mu ne bolay fukki at yi di mat dana yobbu nit mu dox ci ko wer bi fofu la ko waxe bobu jamono bu mu koy wax fusé sa buy naw lu yag amuñu ko wanti ni nga ko waxe ci xalaat ci xam xam ci gor gorlu ci gestu 1900 defena 68 la fofu la Neil Armstrong nek nit ku jekk dem ci wèr bi woné na ni mabeut mabeut nga ni li mën na ko def nga yaakar ci yalla mabeut ke nak liggéey jeuf so jeufé yalla jappalé la mu mat lolou nak liñu wara def bon jaré jeuf ci xélal bobu ma ngi gërëm di sante sama jigen l'honorable député Aissatou Mbodj ndax assemblée nationale suñuy wax université de Bambé dañuy wax université Aissatou Mbodj su joggé suma ñëwé assemblée nationale su joggé dal université Aline Diop Bambé lay wax xamul yenen yi nak bobu mom dana ko wax te ma ngi koy gërem diko sante parce que vraiment jappalé nañu bu baax ci liggéey bi ndax suñu université dal lañu soxla liñu soxla moy xalé yi djublu ci njang gor golu be raw ñi nek ci bitim réew yi te université Aline Diop de Bambé mu ngi koy woné bon vraiment honorable ma ngi lay gërem di la sante di sante présidente conseil départemental Fat Sen sante la bu baax ndax université bi amna yaatu way fi ci bir département bi muy yow muy maire Bambé muy maire Ndangalma sama xarit Mor Ngom ministre Mor Ngom maire Ndol maire Ngogom maire Ngogom maire Ngogom ma ngi gërëm sante dëkk yi wër fi yépp fatiwuma Bambé sérér bon ñëpp dal ma ngi leen di gërëm di leen sante je suis bien placé pour en témoigner honorable député vous accompagnez toutes les politiques du sous-secteur
à l'Assemblée nationale et vous participez aux visites et inaugurations de chantiers, comme c'est le cas aujourd'hui pour une cérémonie fondatrice comme celle-ci. Beaucoup de questions ont été posées, évidemment, par la première autorité de l'université, le recteur, suivi naturellement par le président de la coordination des délégués des étudiants. Président de la coordination, je vous félicite. Vous êtes un grand avocat de la cause des étudiants. Vous avez énuméré les problèmes avec élégance, avec patience, avec calme, et je dirais même, vous avez donné beaucoup de sucettes pour poser ensuite les problèmes. Ça, c'est le leadership moderne et étudiant. C'est ce leadership-là qu'on veut, car nous sommes dans l'espace universitaire, et l'espace universitaire, c'est l'espace de l'intelligence. C'est l'espace où il faut convaincre par les idées. Et vous les avez. C'est votre raison d'être ici. Vous avez parlé des infrastructures. L'État a déjà beaucoup fait. Entre 2012 et maintenant, nous avons, si ma mémoire est bonne, mis à votre disposition déjà 2 bâtiments pédagogiques. Je crois que c'est là où est Ecomige et c'est là où est Satic. Parce que tout à l'heure, en faisant la cérémonie sur l'entrepreneuriat, je me renseignais qui occupe tel ou tel bâtiment. Pour Ecomige, je me souvenais, parce qu'on m'avait demandé, quand j'étais passé, de faire un exercice de recherche opérationnelle, il y a quelque temps. Est-ce qu'il y a des étudiants d'ailleurs de cette époque ici? Il y en a quelques-uns. Voilà. Alors, ensuite, nous avons évidemment livré ce bâtiment qui en lui seul presque double la capacité d'accueil de l'université et donne à l'université une aura qui vous permet de vous comparer du point de vue infrastructurel aux autres universités. Il reste les équipements. Le ministre de l'Économie et des Finances a mis à la disposition du ministère de l'Enseignement supérieur, il y a quelques jours, dans le cadre de la contrepartie du PGFSUP, 3 milliards. Nous avons envoyé ici une équipe qui a répertorié tous les équipements. Nous l'avons fait aussi pour toutes les universités et nous allons lancer l'appel d'offres. Donc, vous aurez les équipements le plus rapidement possible. Malheureusement, les appels d'offres, il y a le temps incompressible. Parce qu'il faut que la DCMP accepte, il faut publier, ça demande 45 jours, et ensuite, il faut dépouiller et livrer. Donc, nous allons, vous aurez vos équipements, tout, pour tout le bâtiment. Pour la bibliothèque, tous les équipements ont été commandés. Il y a une partie qui est déjà réceptionnée, le recteur me l'a confirmé, l'autre partie va venir. Donc c'est déjà commandé et le marché est attribué et la livraison a commencé. Pour ce qui est du social, nous avons, l'autre jour, en échangeant avec le directeur du CROUS, il nous a proposé de remettre un peu à niveau le social qui est ici, au niveau de l'université, et que le recteur a mis à sa disposition. Il y a aussi à Bambey même le centre médico-social qui est en construction et nous espérons que peut-être d'ici 2 mois il sera livré et ce sera encore un outil supplémentaire pour vous. Il y a le restaurant de 500 places qui a connu des difficultés parce qu'il y avait des problèmes entre le ministère et l'agence de construction. Nous pensons que ceci est dépassé maintenant et que les travaux vont reprendre. Ensuite, évidemment, il y a la question centrale de l'amélioration de la capacité d'accueil du campus social.
Le président de la République a lancé un programme d'urgence de 10 000 lits. Ces 10 000 lits concernent 4 000 lits à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ils devront être livrés au mois d'avril prochain. Concernent 2 000 lits à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Ce sera livré sûrement d'ici la fin de l'année. Ça concerne 1 000 lits pour l'université Aline Diop de Bambé, 1 000 lits pour l'université Hassan Seck de Ziguinchor, 1 000 lits pour l'université de Thiès, 500 lits pour l'ENSA, 500 lits pour l'école polytechnique de Thiès. Nous avons déjà signé un partenariat avec le Foncis. Et le Foncis est en train de chercher, en fait, ils ont même beaucoup d'offres, ils doivent juste choisir les offres, parce que c'est des prêts, c'est du PPP, c'est pas 1 000 lits, ça coûte beaucoup. 1 000 lits, ça coûte beaucoup. Donc le Foncis est en train de sélectionner les entreprises. Dès que ce sera fait, nous reviendrons ici pour lancer les travaux. Donc à Bambé, il est prévu 1 000 lits et nous sommes sur ceci et j'espère que d'ici quelques mois, je vous reviendrai ici et nous lancerons ensemble les travaux. L'autre aspect, c'est le transport. Lorsque j'ai rencontré là aussi la coordination des étudiants, nous avons saisi le ministère des Infrastructures et du Transport qui a organisé une réunion en présence des autorités de l'université Aline Diop de Bambé avec le CETUD et les questions sont en train d'être traitées et d'ici la fin de l'année, sur ce que le ministère, en tout cas, a dit et les responsables du CETUT ont dit, il y aura une ligne renforcée ici au niveau de l'université Aline Diop de Bambé. De la même façon, nous avons saisi le ministère de la fonction publique qui aussi a travaillé pour la... parce que nous les avons saisis plusieurs fois. Mais cette fois-ci, nous sommes convaincus que notre collègue Madame Maria Massar est en train de faire avancer ce dossier-là à une grande vitesse. Car pour la première fois, non seulement les corps ont été définis, puisque les L3, ceux qui ont la licence de santé communautaire, vont être des techniciens de santé communautaire. Et ceux qui auront le master seront des conseillers en santé communautaire. Et ils avaient demandé les avis de l'UFR. L'UFR a donné ses avis, le recteur l'a transmis et maintenant ils vont élaborer le projet de décret qui va faire le circuit, comme tous les décrets, il va faire le circuit et ensuite quand il va être adopté, quand vous serez recruté dans la fonction publique, vous serez dans un corps. Donc, cette question, il s'agit simplement de l'accompagner. Il faut l'accompagner pour que Madame le ministre puisse achever très rapidement, et ça je vous dis, elle en a la volonté et elle veut que ce dossier aboutisse. Ensuite, les cartes GAP. Vous savez, la convention que l'État a signée avec Ecobank l'a été à travers le ministère de l'Économie et des Finances. J'ai donc saisi le ministère de l'Économie et des Finances par un courrier pour demander que Ecobank reprenne la confection des cartes GAP pour tous les étudiants boursiers. Et ça, la lettre est partie et nous allons, dès le retour du ministre de l'Économie et des Finances, le rencontrer pour qu'on revienne aux engagements d'Ecobank. Pour ce qui est des bourses pour les nouveaux bacheliers, Defenani, président, waxna waxu sereer xam ngeen wax bi du leer mukk te munul leer liñu teunkon ci at yi passé te liko lal ngeen nek ci belegi loloy wey ren tamit donc defena président comprendre waaw il a compris lenen li moy éclairage. L'éclairage, monsieur le maire, les services locaux, mais j'avais saisi, ça aussi je veux vous le dire,
pas seulement pour Bambé. J'ai saisi pour toutes les universités le ministre de l'Énergie pour profiter du programme de lampadaire solaire pour aider à l'éclairage des universités, particulièrement celles qui sont distantes des villes de rattachement. Ça, c'est en particulier Bambé et Ziguinchor. Il m'avait donné son accord. Nous allons poursuivre dès que le programme est mis en place. Le sport. Nous allons soutenir Bambé. Évidemment, nous allons demander, parce que le gouvernement fonctionne par programme. Actuellement, le ministère des Finances est en train d'élaborer le programme 2019-2021, qu'on puisse l'inscrire dedans. C'est quand ce sera inscrit dedans que ça pourra être réalisé. Donc Bambé mérite un bon terrain de sport. Bambé mérite même, bien que fille amoulendek, hein. Mais on peut penser, hein, une bonne piscine olympique. En tout cas, nous allons plaider pour cela. Alors, le festival des sciences, des arts et de la culture. C'est une très bonne idée. Parce que, vous le savez, la réforme de l'enseignement supérieur, c'est la réorientation vers les sciences, les technologies, les sciences de l'ingénieur et les mathématiques. Mais les lettres, les arts et la culture en font partie. J'ai plaidé cela il y a 2 semaines à l'amphithéâtre de rentrée de l'UFR des lettres, arts et culture de l'Université Hassan Seck de Ziguinchor. Les littéraires, vous en faites partie. Les juristes, vous en faites partie. Les économistes, vous en faites partie. Mais si vous n'en faisiez pas partie, qui va employer les scientifiques? C'est vous qui gérez les entreprises, pour l'essentiel. Vous en faites partie. Donc ce festival, comme traditionnellement le ministère vous apporte son soutien, nous continuerons à vous apporter notre soutien. Honorable Président, Wakhnge Djokolante, Ngourgi et entreprises privées, l'idée vous rafetle. Ngourgi nak mouy tchay ligay bou baré. Deggle lu nek dañ tay yok dañu ci yok suma jélé dara yu kowé yi budget investissement bi nguur gi duggal ci dara yu kowé yi digënté 2013 ak légui ñenti téméri milliards la ak fanwer ak juroom benn milliards 436 milliards 436 milliards yoyu ci tabax ci équipement ak ci programme le dug li jëm ci tabax chantier yi li ci ëpp mën na wax so jëlé téméri chantier juroom ñeen fukk yi ak juroom ñett yépp entreprise bu réew mi mom la ñaari chantier rek ño am entreprise bu réew mi momul té soko xajé ñett ben la ci am muy université Amadou Mokhtar Mbow so xajé chantier ñett ben la ci entreprise bu réew mi momul am li dess yépp entreprise yu réew mi mom ñoko yor fi ñu nek ni salle bâtiment biñu nek ni entreprise biko tabax CSE la CSE, juroomi milliards. So demé ndar extension bi entreprise biko tabax CDE la juroom ñaari milliards la so demé Thiès entreprise muy ISEP muy extension entreprise yiko tabax Sénégal ko mom so demé Ziguinchor entreprise biko tabax Satar la Sénégal ko mom bon mën nañu wax ni entreprise pratiquement
ci enseignement supérieur suñu chantier yépp entreprise yu réew mi mom la équipement yi so jëlé ñaari équipement benn bi mën nañu wax ni dañ ko djéggani comme ci amphithéâtre bi wanté benen bi waxuma sa suñu entreprise mais suñu artisans yi ñom ñoko défar ndax lolu tamit ndigalu président Macky Sall partenariat public privé bi nga wax amnañu ci benn tank wanté deug na la dañu ci wara am ñaari tank benn tank bi té mu nek ci lo xamni dafa am ñeriñu étudiants yi moy tabax fi étudiants yi di fat ndax lolu dafa mëna nek partenariat public privé ndax likoy indi moy ki tabax su ko tabaxé mëna fayéku bé dir bu mat su dir bi moté mu djébal limu tabax nguur gi wéy ak mom lolu hébergement étudiant lu am solo la tambali nañu ko nak ci programme bu am solo université Cheikh Anta Diop de Dakar ndax bu ñenti jooni lal yoyu paré bé paré programme benen bi bobu fukki jooni ak ñetti jooni lal koku partenariat public privé la bëgg nañu tamit ci université fi Bambey nga dimbali ñu ñu jokko ak borom alalu réew mi ngir ñu ñew tabax fi ay logement suñu tabaxé logement yi dina tax logement yi gëna sakkan donc lolu idée bu rafet la ma ngi lay ciy gërëm di la sante mesdames mesdemoiselles messieurs honorables invités chères étudiantes chers étudiants c'est une décision politique qui a été prise une décision de politique sociale dont l'objectif est de prémunir tous nos concitoyens contre les risques sociaux, de les soutenir par toutes sortes de prestations dans leurs projets et de partager les fruits de la croissance dans le cadre d'une solidarité nationale qui ne dissuade pas les initiatives individuelles ou l'esprit d'initiative. La politique de bourse familiale, la couverture maladie universelle, les subventions à certains secteurs économiques, la valorisation des retraites, les bourses et allocations aux étudiants, la prise en charge des frais d'écolage des bacheliers orientés dans le privé, l'obtention d'une bourse ou d'une aide à chaque étudiant qui en fait la demande constituent quelques-unes des réalisations de Son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall, dans le cadre de sa politique sociale. Tout ceci répond à un seul souci, mettre nos concitoyens à l'abri des désagréments qui les contrarient dans la mise en œuvre de leurs projets. C'est le fil conducteur de l'action politique du président de la République. Pour ne s'attacher qu'aux ressources nationales allouées exclusivement au social, le montant prévu en attente d'être stabilisé font plus de 50 milliards pour les bourses et aides et allocations diverses pour les étudiants et 22 milliards et demi pour les œuvres sociales. Cela représente 43,55% du budget. Ce qui est fait au Sénégal n'a pas d'équivalent en Afrique. Je le dis haut et fort, ce qui est fait au Sénégal, il n'y a aucun pays africain qui le fait. Et vos camarades qui ont fait la tournée de l'enseignement supérieur et qu'on va rééditer encore cette année, verront d'eux-mêmes ce qui se fait cette année dans les pays anglophones. Parce que la dernière tournée, vous avez amené au Mali et en Côte d'Ivoire. La prochaine tournée, nous voulons que vous alliez voir ce qui se passe dans les pays anglophones. Et à ce moment-là, vous serez tout à fait édifiés. Le modèle social est bon. Nous nous devons de le crédibiliser par nos attitudes, nos comportements et notre modèle de gestion. C'est ce qui peut justifier l'acceptation morale de l'attribution. Les centres régionaux universitaires s'inscrivent dans ce cadre. Les œuvres universitaires sont porteuses d'enjeux sociaux, universitaires et économiques qui dépassent l'université. Il est vrai qu'on s'attache surtout à l'importance des politiques publiques sociales pour les étudiants
et à l'amélioration de leurs conditions de vie pour leur réussite et le développement de l'enseignement supérieur. En réalité, le phénomène de ruissellement créé par les activités du CUD et plus récemment du CROUS de Saint-Louis met en évidence une constante tangible. Le bassin d'installation des œuvres sociales et de fourniture de prestations sociales dépasse l'université et les étudiants. Et c'est bien qu'il en soit ainsi, l'université et les prestations qu'elle fournit doivent bénéficier à la communauté, à toute la communauté, avec une priorité forte et presque essentielle, la satisfaction des étudiants. C'est autour de cet objectif que doit être justifié l'engagement de ressources allouées à l'État. Monsieur le directeur, cher Abdoulo, Son Excellence le Président de la République Macky Sall vous a nommé comme premier directeur du CROUS de Bambey. La fonction crée une personne nouvelle. Pour moi, vous êtes le relais de la politique sociale de Son Excellence le Président de la République dans les campus du Baol, avec une obligation de traiter tous les bénéficiaires sur le même pied d'égalité. Ceux qui partagent les mêmes opinions politiques, religieuses et sociales que vous, et ceux que vous estimez vous être hostiles, ont la même dignité. Ils doivent tous être considérés et traités de la même façon, avoir accès aux prestations du CROUS aux mêmes conditions, bénéficier des mêmes égards. Les ressources que vous gérez sont des ressources publiques et vous avez une mission de service public. À l'endroit du personnel du CROUS, je pense au personnel permanent affecté ici, au personnel local recruté, et je vous engage à accorder une discrimination positive en faveur des communautés qui vivent autour de l'université. Aux différents prestataires qui nous ont fait confiance au CUD et permis par leur action la continuité des activités académiques. Donc au personnel du CROUS, vous avez un rôle à jouer. Comme l'a dit le recteur, vous avez la mémoire de la gestion quotidienne des œuvres sociales, les petites subtilités de l'accompagnement des étudiantes et étudiants, la particularité du contexte d'une année académique, les petites pathologies des étudiantes et étudiants. Cela aussi fait partie des choses à gérer, des éléments à capitaliser. On ne peut pas repartir à zéro, et vous l'avez compris. Cette cérémonie, monsieur le directeur, est aussi la vôtre. Elle ne change pas votre situation. Elle exige de vous le même investissement professionnel avec de nouvelles responsabilités. Chères étudiantes, chers étudiants, vous avez obtenu satisfaction. Vous avez constamment demandé l'autonomisation des œuvres sociales et universitaires. Le président de la République vous a donné raison en créant par la loi le CROUS de Bambey. Le CROUS est notre bien à tous. Nous ne pouvons pas nous désintéresser de sa gestion, de son développement et de son rayonnement. C'est à cette démarche inclusive que nous invite Son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall. M. le Premier Vice-président de l'Assemblée nationale, président de la CEDEAO, honorable député, M. le Recteur, M. le Directeur du CROUS, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, j'ai l'intime conviction que l'université sénégalaise est en train de changer, parce que je suis convaincu que nous avons le même projet pour ce pays, sa jeunesse et son système éducatif. Parce que je perçois toute cette envie forte d'améliorer les choses du plus haut niveau de l'État
comprise par les populations et assumée par notre jeunesse. Je suis sûr que nous réussirons ensemble ce projet de formation d'un capital humain capable de porter le développement, le projet de l'émergence si cher au président de la République, M. Macky Sall. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je déclare installé M. Cheikh Abdoulaye dans les fonctions de directeur du Centre régional des œuvres universitaires sociales de Bambaye. Merci.